Salut les Mobile c'est Maxime Alors vous l'avez vu en arrière-plan dans certaines de mes vidéos et vous aviez hâte que je sorte une vidéo sur ce nouveau produit compatible MagSafe pour les derniers iPhones. Il s'agit d'une station de recharge 3 en 1 compatible MagSafe pour charger simultanément un iPhone 12 ou autre futur modèle, une Apple Watch et des AirPods ou AirPods Pro. Et il y a aussi un modèle 2 en 1 sans le chargeur Apple Watch. Après plusieurs semaines de tests, il est devenu mon nouveau chargeur de bureau préféré et je vous en parle tout de suite. L'iPhone 12 mini, 12 et 12 Pro sont les premiers modèles à intégrer un nouveau système de recharge magnétique appelé MagSafe. Il s'agit d'un cercle d'aimant à l'intérieur de l'iPhone qui permet un alignement automatique de la bobine de recharge de l'iPhone avec le chargeur, mais aussi de nombreux autres accessoires MagSafe que je vous présenterai dans de prochaines vidéos. La gamme iPhone 12 et 12 Pro ainsi que les futurs modèles sont compatibles avec une recharge sans fil plus rapide à 15 watts, mais uniquement avec des chargeurs certifiés MagSafe. Et pour l'instant, eh ça se compte sur les doigts d'une main. Et je dois dire que je ne suis pas fan du chargeur MagSafe d'Apple car il faut utiliser les deux mains pour le détacher. L'un d'entre eux est le plus prometteur, c'est la station de recharge 3 en 1 de Belkin qui se destine aux iPhone 12 et futurs modèles. Elle permet la recharge simultanée d'un iPhone, d'une Apple Watch et de AirPods ou AirPods Pro. Et il y a aussi un modèle qui recharge l'iPhone et les AirPods sans le chargeur Apple Watch. Le design de ces deux chargeurs Belkin est plutôt bien pensé et je vous explique tout de suite pourquoi. Je peux également mentionner que ce chargeur est livré avec son adaptateur secteur, ce qui est loin d'être le cas de tous les chargeurs sans fil vendus sur le marché. De plus, le câble est assez long, d'environ 1,4 m pour ne pas galérer à le brancher sur une prise électrique un petit peu éloignée. Ce chargeur est proposé en deux coloris, noir et blanc, et comme vous le voyez, le design est assez élégant avec un bras en acier inoxydable et une base assez lourde d'environ 530 grammes. C'est justement pour éviter que le chargeur ne bouge quand vous détachez l'iPhone. Et le tout semble robuste et bien solide. Il y a trois sources de recharge d'abord celle de l'iPhone à gauche, où celui-ci vient s'attacher magnétiquement et recharge l'appareil à la vitesse maximale de 15 watts. D'où l'importance d'avoir un chargeur avec la certification MagSafe, sinon ça rechargera à la vitesse standard de 7,5 watts. Cette recharge fonctionne également si votre iPhone est équipé d'une coque compatible MagSafe, par exemple celle d'Apple ou provenant de marques tierces, comme celle en cuir de la marque Nomad que j'utilise et dont je vous ai mis le lien en description si ça vous intéresse. J'apprécie ce chargeur, en particulier pour le bureau, puisqu'il oriente l'iPhone vers le visage de l'utilisateur. Il est donc possible de déverrouiller l'iPhone et lire l'écran et utiliser l'iPhone pendant qu'il recharge et sans avoir à le prendre dans les mains. Une chose qui n'est pas possible avec les chargeurs horizontaux traditionnels, comme le chargeur MagSafe d'Apple. Un autre point positif avec ce chargeur de Belkin, c'est la possibilité de pouvoir basculer l'iPhone en mode paysage, par exemple pour regarder une vidéo YouTube ou une série tout en laissant l'iPhone se recharger. Et là aussi, l'inclinaison est étudiée pour offrir une bonne expérience de visionnage. À droite, l'autre socle en hauteur permet de recharger une Apple Watch, et je dois dire que le placement est assez pratique puisque dans mes tests, c'est compatible avec n'importe quel type de bracelet. Je pense en particulier au dernier bracelet boucle unique. Parce que sur d'autres chargeurs, le bracelet boucle unique gêne pour recharger d'autres appareils, et je pense notamment à mon ancien chargeur où cela empêchait de placer les AirPods sur leur socle de recharge. Enfin, dans la base du chargeur se trouve une troisième surface de chargement destinée au boîtier sans fil des AirPods ou AirPods Pro, et dans mes tests, cela fonctionne même si le boîtier est équipé d'une coque de protection. Et il y a aussi un indicateur lumineux qui indique l'état de charge du boîtier. J'ai également remarqué qu'il était possible de charger un autre smartphone sur la base, ce qui peut dépanner si vous êtes plusieurs à la maison. Belkin est assez sûr de son produit puisqu'il est garanti pendant deux ans, et je tiens à rappeler que ce chargeur se destine à l'iPhone 12, 12 mini, 12 pro ainsi qu'aux futurs modèles d'iPhone. Les anciens iPhone ne pourront pas utiliser le chargeur magnétique car ils n'ont pas les aimants nécessaires à l'intérieur du boîtier. Je dois dire que c'est la solution la plus élégante et la plus efficace pour recharger en son fil simultanément et rapidement un iPhone équipé du MagSafe, une Apple Watch et des AirPods ou AirPods Pro. Si ce chargeur 3 en 1 ou 2 en 1 vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la description. Et si vous passez par ce lien, ça ne vous coûte pas plus cher et ça à financer la chaîne et la production de ces vidéos. Et sur ce, tu le sais, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao